Salut à tous, c'est Eden. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo particulière qui j'espère vous faire plaisir, quelque chose qui n'est pas forcément très habituel à voir, et je vais vous laisser l'introduction par Kéops. Comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Bah très bien, fabuleusement bien. Avant de commencer, je tenais à vous dire que sa chaîne sera dans la description, et je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement, car en une seule vidéo on a quand même atteint 50 abonnés, bientôt minimum, les 100. Bientôt voilà, les 100. Bientôt les 100, et je vous prépare un petit truc, donc je vous remercie énormément. Cette vidéo sera envoyer une chaîne communautaire, on espère qu'elle l'acceptera, car c'est quand même quelque chose qui est assez drôle, je vais te laisser expliquer. En fait, c'est un gars complètement déjanté, on va dire ça comme ça, hein, tranquille. Oui, légèrement. Il achète un iPhone 900€, et qu'est-ce qu'il décide de le faire? Bah, il décide de le jeter du plus haut building du monde, hein, clairement, du monde. Il fait 830 mètres de haut quand même, c'est genre immense. Quand t'es en haut, tu vois les petites maisons et tout, c'est miniature. Je vois même pas la taille des gens. Non mais c'est clair, par contre t'as une belle vue, c'est sûr, genre l'iPhone ouais. Avant de tomber il a une belle vie quoi, pendant sa chute. Mais du coup je vais te poser une question par rapport à ça, toi, est-ce que tu trouves ça conscient et dangereux de faire quelque chose comme ça? En fait, si tu le jettes et qu'il y a un mec en bas qui se le prend, je pense qu'il douille. Bah je pense que genre le portable il rentre dans le crâne, genre voilà, t'as un iPhone 7 dans le crâne, après t'as 900 boules dans le cerveau. Mais tu pourras plus t'en servir quoi. Ouais. Ouais, non, je pense en vrai c'est super dangereux ce qu'il a fait, donc c'est vraiment surtout pas reproduire. En soi, l'expérience est sympathique, quoi, je veux bien comprendre, mais bon, imaginez-vous bien que l'iPhone 7 en arrivant en bas était complètement explosé. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous partager cette petite vidéo. On espère tous les deux qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si jamais ça vous a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus.